Bonjour tout le monde, nous allons voir ensemble les activités qui sont à la page 18 concernant les compléments circonstanciels. Première activité, lis et complète le tableau. Première phrase, le chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt. Bon, on a le cc de lieu, le chasseur emmena Blanche-Neige ou dans la forêt. Donc, dans la forêt est un complément circonstanciel de lieu, cc de lieu. Donc, dans le chanel ou là. Deuxième phrase, le petit chaperon rouge alla joyeusement. Comment? Parce que là, on a un cc de manière. Kayfi, ظرف kayfi. Joyeusement rendre visite à sa grand-mère. Rendre visite à sa grand-mère. Troisième phrase. Adèle et Aguilas gagnaient pauvrement. Pauvrement, c'est de manière. Leur vie en allant à la pêche. En allant à la pêche, c'est de lieu. Quatrième phrase. Au lever du jour, Slimane et ses compagnons partirent chasser. Là, au lever du jour, Hada cessé de temps. Inda tolor shams. De bon matin, la petite Sabrina sortit de la maison. Yani mubakkiran, as-saghira Sabrina kharajat min al-bayt. Là, de bon matin, cessé de temps. Donc, andna zouj darf. Zadarfei zaman. Anna au lever du jour ou anna du bon matin. Hado les deux, c'est de temps. Oncle Belkacem habite où? Il habite à Timimoun. À Timimoun, c'est de lieu. Le pêcheur et sa femme se retrouvèrent où? Aina, dans leur petite cabane. Dans leur petite cabane, c'est de lieu. La princesse entra dans sa chambre en silence. En silence, na dharf kayfi, un cc de manière. Le cc de manière qui fait n'arfo min khilal nihaya ta al kalima li huwa ibara an adverbe. Joyeusement, ou andna pauvrement, ou andna aidan un nom précédé d'une préposition li hiya en ou là avec. La deuxième activité complète les phrases avec les indicateurs suivants. Gentiment, il y a longtemps, dans un grand palais. Gentiment, il y a longtemps, la formule d'ouverture, le conte, dans un grand palais, les rois cessaient de lieu. Alors, نبدأ القصة il y a longtemps, يعني قديما, un roi et une reine vivaient, ملك والملكة يعيشان أين أو dans un grand palais, في قصر كبير. Ils s'adressaient à leurs serviteurs, يتكلمون لا يخاطبون العاملين, comment, كيف يخاطبون, يخاطبونهم gentiment, يعني بلطف. Troisième activité, recopie et complète les phrases avec le complément circonstanciel indiqué. Alors, on va utiliser de temps, cessez de lieu, cessez de manière. Alors, première phrase. Dans ce pays, il faisait souvent beau. Fi hadha al-balad. يكون الجو جميلا عادة في أي وقت مثلا نقول pendant l'été في فصل الصيف pendant l'été. Deuxième phrase, le prince se promenait وين أين يتنزل الأمير مثلا dans le jardin. Le jardin du palais. Fi hadiqat al-qasr.
تنزه الأمير في حديقة القصر. Il vit un papillon qui se posait. رأى الفراشة التي وقفت ولا توقفت sur une fleur. Donc هنا قلنا سيسي دو مانيير كيف توقفت الفراشة نقدر نقول doucement ولا calmement. Quatrième phrase, complète cette phrase avec trois compléments circonstanciels de ton choix, si c'est de manière, ou bien si c'est de lieu, ou bien si c'est de manière. يعني نكملوا الجملة هذه كما من خلال اختيارك. لكل اختيار بواحدة بهذا si c'est de temps, ولا si c'est de lieu, ولا si c'est de manière. Alors, هنا عندنا une vieille femme qui tricotait. هنا قلنا البداية تاع القصة دائما تكون هذيك la formule d'ouverture, الجملة البدائية اللي نبداو بها القصة. هنا نقدر نقول il était une fois, ولا il y a bien longtemps, ولا il y a longtemps, ولا autrefois. يعني من اختيارك. أنا نقول il était une fois. Il était une fois. قلنا هادو كامل يصلحوا. Une vieille femme qui tricotait. Une vieille femme qui tricotait. هنا واش نحطو؟ بون هنا نحطو مثلا سيسي دو مانيير. كيف كانت تنسج المرأة العجوز كيف كانت تنسج؟ نقدر نقول doucement ou la rapidement كيما نحبوا نقول لك من اختيارك كانت تنسج بهدوء. بون هنايا نقدروا نستعملوا ظرف مكان وين كانت تنسج dans sa petite maison. La près près de son lit. On a ظرف مكان المهم اي مكان يصلح près de son lit ou la près de la cheminée ou la dans la cour de sa petite maison, etc. المهم يكون عندنا في الجملة اللي استعملناها ظرف زمان وظرف مكان وظرف كيف. نعاود نقرأ الجملة. Il était une fois, كان يا مكان في قديم الزمان, une vieille femme qui tricotait, امرأة عجوز, تنسج بهدوء, doucement, près de son lit, بجانب سريرها. Cinquième, écris le début de l'histoire en utilisant des compléments circonstanciels pour t'aider. Voici les questions auxquelles tu peux répondre. Quand cette histoire s'est-il passée? Où vivait le héros? Comment vivait-il? يعني راح نكتبوا مقدمة القصة بالإجابة على هذه الأسئلة. هنا quand cette histoire s'est-il passée? متى وقعت هذه القصة؟ دائما قلنا نبداو il était une fois ou là il y a bien longtemps, etc. واحدة من les formules d'ouverture. Il y a bien longtemps, مثال, où vivait le héros. أين يعيش البطل؟ مثلا نقولوا un pauvre homme. البطل هو un pauvre homme. Un pauvre homme. رجل فقير. أين يعيش؟ Vivait dans une vieille maison. Yaskun fi bayt qadim ou la fi cour. Vivait dans une vieille maison. Comment vivait-il? Pauvrement. Hna nhatha wara vivait. Vivait pauvrement dans une vieille maison. Hadi hiya l'introduction tient le compte. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.